Alors, j'ai perdu 16 kilos. Alors, ça a été compliqué parce que je sortais d'une année très, 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 très compliquée. J'ai eu beaucoup de décès dans ma famille. J'ai eu un accident. Donc, après cet accident, il fallait que je n'arrivais plus à me regarder dans un miroir, tout simplement. J'arrivais pas à passer chez moi, regarder les miroirs, ça passait pas. Donc, du coup, une amie qui est suivie chez Diète Plus me dit, mais t'es pas en forme. J'ai dit non, non, là, je me sens plus bien dans ma peau. Et du coup, elle m'a donné l'adresse. J'y suis allée pour un bilan. Et le bilan m'a complètement dévastée parce qu'on est face à une réalité, on s'y attend pas. Donc je suis rentrée chez moi, ça s'est passé un vendredi, je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. Au premier abord, comme ça, je sais pas, j'ai tout de suite senti que ça allait matcher et que j'allais vachement accrocher avec elle. Et elle a été à l'écoute, elle a été d'un soutien, mais ça n'a pas de mots. Et un suivi exceptionnel. Reprendre le sport, mais d'une façon très intensive. C'est-à-dire que j'étais une grande sportive et effectivement j'ai eu beaucoup d'accidents au niveau des chevilles et le dernier a été vraiment fatal pour moi. Et j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appréhension de me dire j'y arriverai plus. Et en fait, justement, avec ma coach qui m'a redonné confiance aussi en moi, j'ai pu repratiquer et aujourd'hui je fais 3 fois par semaine du sport. Donc je cours à nouveau. Je fais des 10 km, 20 km et 1 heure de natation par semaine. Au fond de moi, c'était plein de choses en fait, mais l'apparence. Parce que j'ai 49 ans, j'ai commencé et je passais vraiment devant un miroir sans le regarder où j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien à la limite de me dire waouh, je veux plus me voir. Alors, mes proches aujourd'hui sont ravis. Ils m'ont beaucoup accompagnée. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que quand je suis sortie du bilan, je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que on monte sur cette fameuse machine, on voit le taux de graisse, le taux de muscle. Et je suis rentrée chez moi, c'est là que j'ai pris conscience qu'effectivement, il fallait que je prenne soin de moi, pour la santé, rien que pour ma santé. Donc on s'est assis tous les quatre autour d'une table et je leur ai dit, voilà, je vais commencer un programme et j'aurai besoin de vous. Et ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème, on te suit. Je dirais, suivi et confiance. Thank you.